les choses se préparent et prennent forme ici même à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, où se tiendra la cérémonie du lancement des activités de la SOTRA. Nous sommes à la veille de ce grand événement et c'est tous les agents de la SOTRA qui s'activent pour sa plus belle réussite. Depuis hier, ce sont plusieurs bus qui ont quitté le sol d'Abidjan depuis l'Institut de formation SOTRA pour Yamoussoukro. À leur arrivée, aux environs de 20h, c'est une population très chaleureuse et heureuse de sa venue qui a salué leur entrée dans la cité des lacs. Nous nous trouvons maintenant à la mairie, en face même de la place Jean-Paul II, où sont parqués les autobus. Monsieur Koulibaly Tiemoko, directeur de la production de la SOTRA, nous donnera plus de détails sur ce nouveau réseau bus de la SOTRA. Alors, monsieur Koulibaly Tiemoko, donnez-nous s'il vous plaît quelques détails sur ce nouveau réseau bus de la SOTRA. C'est avec plaisir que le gouvernement a décidé de se déployer, que la SOTRA se déploie à l'intérieur du pays. Et je pense que dans ce cadre-là, le déploiement au niveau de Yamoussoukro va se faire à partir, les lignes vont être lancées à partir du 23. Et au niveau de Yamoussoukro, c'est un potentiel de 6 lignes qui a été défini. Donc sur les 6 lignes permettent vraiment de prendre en compte tous les pôles générateurs de trafic. Qui vont permettre de transporter aisément les populations, bien entendu en améliorant leur mobilité. Donc, pour le lancement, on va en lancer 4. On va en lancer 4 lignes qui couvrent effectivement tous les axes de Yamoussoukro. Et je pense qu'à partir du mois de janvier, avec l'arrivée des élèves, on va ouvrir les 2 autres lignes pour vraiment permettre une meilleure mobilité au niveau de Yamoussoukro. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, tout est fin prêt pour le lancement officiel des activités de la SOTRA à Yamoussoukro. Rendez-vous donc demain dès 8h à la place Jean-Paul II pour vivre tous les instants de cette cérémonie qui promet d'être mythique.